Les interventions de tournesol sont bénéfiques pour les patients dans le sens où elles s'intègrent à la dimension du projet d'établissement qui décline à la fois la notion de lieu de soins mais également la notion de lieu de vie. Donc c'est agrémenter la vie de tous les jours et que les enfants ne soient pas un objet de soins mais à part entière des individus dans le respect de l'éthique. Tout d'abord, un moment d'évasion qu'on partage avec les jeunes. On est comme eux, on est spectateurs et c'est que des moments de plaisir et de bonheur. Et après, c'est aussi des moments où ça nous permet d'observer les réactions de chacun. C'est de pouvoir leur amener aussi la culture à l'hôpital et de voyager à travers tous les types de musique. Voilà. Et puis pour certains, c'est aussi un enveloppement parce que certains jeunes, on a du mal justement à pouvoir les toucher. Donc là, ils sont touchés musicalement parlant et ça leur sert de contenant, d'enveloppe. On laisse libre cours à l'audition, à l'émotion, aux sensations qu'ils peuvent ressentir quand ils touchent les instruments. Et ça nous permet aussi d'être observateurs et d'affiner aussi notre observation pour mieux rentrer en relation avec eux. La médiation proposée par Tournesol est fondamentale pour nous, dans le sens où elle permet d'affiner le type d'intervention, d'accompagner les musiciens pour être au plus près et au plus juste des besoins des patients et de leurs attentes. Et puis c'est le travail dans la durée aussi. C'est vrai que la chargée de médiation, elle saisit vraiment tous les enjeux dans l'hôpital, mais aussi pour voir la sensation des patients quand elle arrive, ça annonce quelque chose. Et donc nous, on arrive déjà dans un contexte où c'est positif, on va amener quelque chose de bien parce que le terrain a été préparé, donc il y a cette annonce et puis après, donc nous c'est facile pour nous. Quoi. Donc, je vais vous présenter les musiciens du duo Caxi, voilà, qui vous ont préparé un univers jazzy, un univers swing, avec des vieux temps standards de jazz, mais aussi d'autres découvertes du monde entier. Je vais vous présenter les artistes, voici à ma gauche, Daniel à la guitare, écoutez ça. La médiation de Tournesol est très importante pour nous pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça nous permet, en arrivant, d'être concentrés que sur la musique et sur le rapport avec les patients et pas sur mille et une choses qu'il y a toujours à gérer sur place et en amont à l'hôpital. Mais aussi, c'est ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que l'hôpital, c'est quand même pas un contexte comme un autre. On arrive dans un endroit où il y a non seulement les patients, mais il y a plein de gens qui travaillent dans ces lieux de travail quotidien. On peut très facilement être au mauvais endroit, au mauvais moment, ou dire quelque chose qu'il ne faut pas, faire quelque chose qu'il ne faut pas, gêner, pas être sensible à ceci ou cela. Et là, le fait d'être accompagné par quelque chose d'expérimenté là-dedans permet d'éviter tout ça et tout de suite de créer plus vite un lien de confiance avec l'équipe soignante et les patients. Dans le cadre là, du polyhandicap à La Roche-Guyon, c'est l'aspect aussi vibration qu'il peut y avoir avec ce public. C'est-à-dire que des fois, ce n'est pas tellement la musique en elle-même, mais plus la sensation physique, qui fait partie aussi du concert. Hein. Mais du coup, ça, c'est vrai que ça change fondamentalement l'approche parce que c'est une perception qu'on ne peut pas forcément maîtriser, pas forcément conscientiser, et on sent qu'il se passe quelque chose quand même. D'une part, on apprend à interpréter d'autres signes de satisfaction, de joie ou d'autres émotions qu'il peut y avoir. Mais d'autre part, on apprend aussi, je pense, à donner, à jouer, sans forcément être préoccupé par comment c'est reçu, en essayant d'avoir confiance
C'est dire que nous, notre rôle, c'est d'essayer de transmettre quelque chose, de communiquer. C'est extraordinaire parce que c'est vrai que là, c'est pas nous qui sommes acteurs. C'est l'extérieur qui vient voir et qui vient proposer quelque chose à des enfants qui sont démunis du point de vue de la communication, de l'expression et du corporel. Donc, c'est des personnes qui ne les connaissent pas. C'est des moments pour nous un peu magiques parce qu'on se dit qu'effectivement, la musique les pénètre plus que nous, même en tant que professionnels, on arrive à entrer en relation avec eux. Donc, c'est ça qui est important. Thank you.